Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature, bien sûr. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'aimerais discuter de cette belle pierre ici qu'on appelle malachite. Eh oui, cette pierre, on la trouve partout dans le monde, à peu près partout aujourd'hui. En République du Congo, en Russie, Mexique, Australie, Zambie. Cette pierre, elle pousse au plus profond des grottes. C'est du cuivre en contact de l'eau. Et dans le noir, ça forme cette belle pierre verte qu'on appelle malachite. Maintenant, le côté spirituel de cette pierre, mesdames et messieurs. Cette pierre, concernant les chakras, ça représente le chakra de la gorge et le chakra du cœur. D'où, cette pierre va nous aider à aider les personnes qui ont du mal à s'exprimer. Enfin, ces personnes pourront exprimer leur volonté, exprimer ce qui cache au plus profond d'eux. Ça va les aider à faciliter à sortir les mots, vous voyez? Donc, n'hésitez pas à porter cette pierre, surtout si vous devez vous expliquer quelque part où vous avez un entretien, portez cette pierre. Maintenant, il faut savoir que cette pierre, elle est connue pour éloigner, absorber les énergies négatives et surtout pour éloigner le mal. Donc, n'hésitez pas de porter cette pierre dans la vie de tous les jours. Ça va vous aider à éloigner le mal, les énergies négatives et à vous protéger. Cette pierre, elle est connue aussi comme pierre de guérison. Et oui, ça va vous aider tout simplement à éloigner la maladie et aussi à vous guérir. Vous pouvez accrocher cette pierre sur le berceau de votre enfant ou de votre bébé. Cela va éloigner le mal loin de vos enfants et en même temps, ça va les protéger. Et surtout, ça va aider l'enfant de bien dormir. Maintenant, cette pierre que vous voyez ici, cette pierre malachite, si, mesdames et messieurs, vous êtes très mal dans la vie, c'est-à-dire vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, tout va mal dans votre vie, cette pierre va vous redonner le courage pour pouvoir vous battre, pour pouvoir vous en sortir. Donc, c'est une pierre à apporter sur vous. Ça va vous aider énormément. On est nature, on consomme du naturel. Et après, la malachite, c'est une pierre qui sera excellente pour les signes du Capricorne. Donc, à ne pas hésiter de porter cette pierre. Comment prendre soin de cette pierre? Éviter l'eau chaude, tout simplement. Vous pouvez laver cette pierre à l'eau claire, l'eau froide, et après laisser ça au soleil pour se recharger. Ou alors, si vous avez du quartz, ça ressemble à peu près à cette pierre. Vous pouvez recharger votre malachite avec du quartz. Vous posez ça dessus. Après l'avoir lavé à l'eau claire, vous posez ça dessus tout simplement. Évitez de mettre votre malachite avec d'autres bijoux car ça va rayer votre malachite car la malachite est très fragile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, la nature est notre alliée. Vous pouvez trouver la malachite en plusieurs formes, en forme de bracelets, colliers, boucles d'oreilles, etc. N'hésitez pas de porter la nature car la nature est notre alliée. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à reconsidérer cette belle pierre qu'on appelle malachite. Car cette pierre, ça va vous redonner confiance à vous. Ça va vous aider à vous exprimer. Ça va vous protéger contre les énergies négatives, les éloigner et ça va vous donner la santé. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, cliquez sur la description de la vidéo, vous verrez tous les liens pour les consultations. Pour devenir membre de Elizabeth and Samuel, les liens de nos magasins et pour tout autre message, contactez-nous via Facebook Messenger ou notre email. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.